Haïti ça passé. Ouais là on capable dire que n'a boulé parce que gen en pile soleil mais nous pas gen accès à la mer. Vous imaginez nous son pays qui entouré de la mer mais en pile monde dans pays a pas gen accès pour aller enjoy non si la mer. Moun pas ka aller dans le sud ou pas ka aller dans le nord, son véritable prison que l'Ouest représente actuellement là par rapport à la situation qui a régné. Donc son pays côté joie passé, moi passé, route bloquée, ca écrasé. Au lieu pour autorité yo chercher résoudre problème sécurité a, parce que c'est lui-même qui fondamental, puisque de ou pas gain sécurité, l'école pas ka fonctionner, pas ka gain ti machin cap circuler, pas ka gain moun kal nan travail. Donc son véritable prison que li bon nèg yo préféré à partager gâteau, préféré séparer poste au lieu que yo garder ki jan. Et nan moment ça même yo essayé résoudre problème sécurité. Donc Haïti rete en véritable chaos. Et me toujours dit que question sécurité a semblé c'est la police qui pour chercher résoudre lui-même. Et la police gen en façon là t'a supposé aborder le tout parce que et me toujours dit ça gagnent trois façons que la police capable aborder question démanteler gang. C'est pas parce que nous c'est les gros techniciens dans question sécurité. Mais l'entendez on série de monde qui savait à parler. Yo faut sentir que la police a pas cache seulement chita sous poté bourré, sous mettre pied à terre, al tirer coup de balle. Faut que la police a développé capacité pour lui infiltrer groupe gang yo. Et là c'est travail des CPJ. Et puis faut que la police a toutes les capacités pour lui monter gang yo une contre l'autre. Et nous avons l'impression que c'est ça qui a privé au niveau de la Saline. Côté, bon bataille qui déclaré depuis quelques jours entre Bout de Jean-Jean et Mikano. Donc, dans le cas son véritable carnage qui fait, nek prend balle, balle montée, nek courir avec balle, pied cassé, bras cassé. Donc, actuellement, là, nous vivons ensemble, son véritable panique et nek yo pas prendre temps là pour que vous demandez on trêve dans la bataille qui est là dans propre camp au niveau de la Saline, parce que si bataille ça persistait, li risque fragiliser. Yon vivent ensemble, kap chercher renforcer li pour capable mande négociation. Pour connaître ça qui t'est passé ou ça qui passé au niveau de la Saline entre Bout de Jean-Jean ensemble avec Wamikano, m'a fait nous tendre un petit récit de collaborateur nous Willman qui t'a présenté information. Élément d'information qui rive joindre nous t'a fait quoi? En pile bandi tombé nan affrontement. Nan goumen ki te genye an neg vivan sam yo. Nan batay an vivan sam ak vivan sam. Dapre sa kap vin jwenn mwen la kom donné. Dapre sa kap vin jwenn mwen la kom eleman d'information. E mwen men mwen voye doud mwen an lè. Mwen mete pyem a te sou neg vivan sam yo. Pep ayisyen an dan nan vivan sam ta semblé. Gen an pile soldat nan viv ansanm ki mouri. Mikano monte bal bay soldat yo pou al goumen avec Bout de Jean-Jean an dan nan la Saline. Tande bien pep ayisyen. Mikano monte bal bay soldat yo mete nan zam pou al goumen avec Bout de Jean-Jean. An pile soldat tombe. An pile soldat mouri d'après sa ki rive joen nou. Nan moment se négociation nèg yo mandé. Nèg yo mandé négocier. Gen négociation k'ap fèt pou gon on cesse de feu. Mais faut nou di d'après ça qui rive joine nou ta fè kwè bal pa tiré. Gen négociation. Gen information qui t'ap circulé. Te gen yon gros chef qui t'est débarqué en bas nan la Saline. Gen moun qui t'est pensé c'était Izo 5 secondes qui t'est débarqué. C'est pas Izo qui t'est débarqué, mais c'est l'autre chef qui t'est débarqué pour venir voir comment yo capable entendre yo pour éviter trop moun mouri. D'après ça qui rive joindre moi, gagne deux bons soldats Bout de Jean-Jean qui perdi pied yo. Soldats ça au perdi pied yo, c'est parce que yo t'a prend balle montée. Nous songe sourit te bay Anel Joseph yon balle montée. Eh bien c'est dans ça soldat Bout de Jean-Jean yo prend là. Gagne un partner qui rele Siwo. Siwo ça c'est bon jouet Bout de Jean-Jean. Gayon l'autre tout qui rele chef foot. Tout de nek sa yo te andan en pénitencier ak Bout de Jean-Jean. D'après ça qui vinn joine moi comme donné ta fait quoi? Les nouveaux don nou en l'air et les nou mette pied nou à terre. Nom ça qui rele Siwo
c'est un nèg tout qui t'est qu'on fait en pile kidnapping. C'est un nèg qui t'est qu'on al prend l'argent kidnapping, qui t'est qu'on fait en pile négociation sous bagage kidnapping. Monsieur t'est recevoir un balle dans ponyette. Monsieur t'est gon fête dans ponyette, lui monsieur t'est dans prison. Monsieur t'est sauvé. Par la suite, la police pral mettre la patte sous monsieur. Et jour ça, monsieur passé mauvais moment en bas mes policiers yo. Nan fèk te nan ponyèt monsieur a. Policier yo kembe monsieur nan fè a yo pimpe monsieur nan des machines nan et puis yo fouye monsieur dans pénitencier. Bandi ak zam nan viv ensemble pral krasé pénitencier, monsieur pral sauvé ensemble ak bout de Jean-Jean, ensemble ak chef foot. Et ben nan bataille ki te gagné. D'après ça qui vinn joine moi. Et d'après ça moi-même tout m'gen nan même comme élément d'information les mettez pied matin. Eh bien, nèg yo ta resevwa bal monté nan mes soldats Mikano yo. Nan intervalle samedi pour rive lundi, pied nèg yo getan pourri. Les mwen mete pied a tè, mvoye dwo mwen an lè. Information ki te rive jwenn mwen dans un premier temps ta fè kwè siwo avec chef foot te pran bal nan affrontement. Et fòk nou di, genyen ti Joel ki andan nan la saline après affrontement sa, misye te déployé avec yon lame nan dòl. Mais te gen pile nèg ki t'ap pral replier parce que gen bal monté nèg t'ap pral pran. M'di moun yo comment fait monsieur prend en yon bal nan pied et puis pour jodi lundi a nou getan coupé pied monsieur. M'a posé nèg yo question. Mande nèg yo est-ce que c'est gros avec zam gros calibre yo tire nèg yo ki fait si ou perdi pied ki fait chef foot perdi pied. D'après ça qui rive joine nous comme élément d'information nan kad enquête que nous même nous mené. T'a fait quoi c'est bal monté nèg Mikano yo bayo. Eh bien chef foot avec siwo yo chak yo gen yon bout pied nan moment n'a parlé ya la nèg yo te pran bal nan pied nan bataille ki te gagné samedi passé ya rive lundi matin pied nèg yo commencé pourri. Eh bien yo coupé pied nèg yo en dan nan Gressier. D'après ça qui rive joine nous bon côté magistrat Gressier en pile bandi pran bal en pile bandi fait voel pour pays sans chapeau. C'est quatre groupes de gang qui gagnent en dedans dans Gressier qui a opéré. Gagnent nèg ti bébé yo, ti bébé bougoy. Nèg sa yo c'est équipe nèg bougoy en dedans dans Grand Ravine. En dedans dans Grand Ravine seulement gagnent trois groupes de gang qui a établi base yo dans Gressier. Gagnent un groupe de gang qui sorti en dedans dans village de Dieu. D'après ça qui vient joindre nous comme élément d'information bon côté magistrat Gressier. Gagnent ti bébé bougoy, nom qui rele ti bébé ya. Monsieur c'est pour Bougoy la fonctionner derrière. Gagne nèg Kilik Boy yo, c'est pour petit frère Bougoy la qui rele Kilik. Gagne nèg Team 103 Zombie yo. Nèg Team 103 Zombie yo, c'est même nèg Team Ascenseur yo, même nèg Ti Lapli yo, c'est même nèg sa yo cap opérer derrière. Après ça gagne l'autre groupe de gang encore, groupe de gang ça, son groupe de gang qui sorti en dedans dans village de Dieu. Alors définitivement la police t'a supposé capitaliser sur ça. Pas seulement la police, le gouvernement qui t'a vle baï tête l'émission pour résoudre problème sécurité a l'ita doué davantage chita sous ça parce que tant que nous capable démanteler gang yo sans pas grand pile monde qui mouri c'est tant et n'a paraît plus intelligent plus grand et n'a gagne plus confiance pour continuer à aborder question et résoudre problème sécurité gen dans pays a parce que nèg yo comprenne bien nèg yo là. Y a cherché par tous les moyens pour capable imposer un certain dialogue puisque c'est seulement ça que y aurait été. Et une manière que me vienne comprendre tout. Là où on sait de chef gang a fait menace. Là où on sait de chef gang a montré pile zam, pile balle que les gagnent, c'est parce que nèg yo connaît ce celle ça aurait été et que si on pas fait jeu psychologique ça sur population hein, alors que même de toujours penser que c'est sous la police nèg yo a essayé faire. Mais nèg yo konnen la police a gen zam tout donc son bataille carré la pied. Mais le fait que gen risque pour que gen bois calé nèg yo fait vidéo y a passé au sur réseau le ça population lui-même li vinn réaliser que même s'il gen manchette li pa capable contre carré bandi yo et le ça bandi yo prend un ascendant psychologique sous population comme quoi le la police attaque yo y a long l'autre zone population pa envie ba en foule bois calé. Donc bataille psychologique que nèg yo a fait là c'est pas sous la police, c'est pas sous gouvernement, c'est pas ni sous bourgeois, mais c'est sous population civile là que y a essayé gérer tête pour le la police barrer nèg yo à coup de balle le ça peut pas prendre bois calé non mais population. Donc son bataille
bandi contre population que lié et faut nous continuer et parler de bataille ça comme quoi c'est pas une bataille que nèg a mené pour peuple là mais son bataille que nèg a mené contre peuple là même gens avec Sila qui sous pouvoir. Bon, je dis à la nous voyons qui Jean ambassadeur dans États-Unis dans Nations Unies lui même y entré. En plus monde qui pensait que c'est évaluation qui vient faite, mais c'est l'autre qui vient bail. Et une autre qui bail là. Et c'est là pour montrer que négocite. C'est yo d'accord que c'est pas au même cap dirigé. Et une bagarre qui dit là c'est que CPA doit mettre colon côté Gary Conille doit avancer. Doit Gary Conille doit véritable nèg qui a pas agi pour capable permettre que Haïti li entre dans une autre réalité. Donc je visite ça, c'était surtout pour venir renforcer Gary Conille dans poste de premier ministre li et puis mandé Gary Conille faire élection. Et même s'il pas d'agent faire élection avant et élection américaine yo, mais au moins le candidat démocrate pas gagner pour le parler ou poser des questions sur Haïti. Le ça au moins n'a dit comme ça que en Haïti gagne un processus électoral qui est en cours. Donc au moins depuis gagne un processus électoral qui est en cours, le ça nous au moins qu'à espérer que gagne élection même si c'est après élection qu'a fait dans pays États-Unis. Assad vol cité dans cuisine là, il gagne accès en pile information, il capable faire analyse yo avec information yo et c'est lui-même qui révélait véritable raison qui fait que Thomas Greenfield, qui c'est ambassadeur des États-Unis dans les Nations Unies, lui-même te vin ici, c'était pour te bailler une série de instructions avec la cap dirige yo et recommander yo mette campé conseil électoral capable gagner pour faire élection parce qu'au moins ça yo capable présenter le devant électorat américain. Peut-être que c'est parce que y aurait mais nous en pile et parce que soucieux à être pays a parce que soucieux parce que y a un pile crime un massacre et non et pas surtout ça bah Dieu est sensible par rapport avec son nom non mais moins d'où ils sont là pour leurs intérêts d'abord et c'est normal parce que et, il n'y a pas d'amis en politique, il n'y a que des intérêts, mesdames et messieurs. Et dans les déclarations, madame n'en fait, madame Thomas Greenfield, Linda, Thomas Greenfield, livre et fleurs pour Gary Conille. Marron, s'il n'était pas allé de CPT à l'intervention là, mais il dit, dans le discours là, que Haïti a une chance de gagner, il y a un monde qui connaît avec lui, et il dit que le dégon, on réunion avec lui. C'est là qu'il dit. Il y a une réunion séparée, même si on a vu Gary Conille et les membres du CPT ensemble à la ville d'accueil, mais il y a eu des réunions séparées. Donc, madame Thomas Greenfield, elle a rencontré le Premier ministre à part, elle a rencontré aussi le conseil présidentiel, et notamment le président du CPT, Edgar Leblanc-Fils, mesdames et messieurs, à part. Mais, il y a un discours qu'elle fait là, et il voit fleurs pour Gary Conille. Donc Gary Conille semblait vraiment c'est mon yo. Vous pouvez miser en pile sur lui. Parce que vous pouvez dans l'analyse l'autre jour, ou bien dans l'émission, même si vous attirer attention sur ça. Madame parlait de nécessité pour gagner l'élection dans le pays d'Haïti. Pour capable d'un gouvernement légitime qui prend le pays. Parlant d'élection, j'aime dire nous a fait longtemps déjà, moi j'ai dit nous que même si l'élection n'est pas faite en Haïti, mais les États-Unis voulaient, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont impliqué pour mettre Ariel à terre, parce que Ariel n'a pas aucune garantie que l'APK a fait élection avant l'élection américaine, yo, ou bien l'APK même guette dans ce processus-là, nous te rendons compte que Ariel Henry, son bluffeur qui a fait tant passer pour être sous pouvoir, et juste diable. Et il a dit, bon Dieu tourné. Et bien, il mettait monsieur à terre. C'est blanc qui mettait monsieur à terre. Donc, même j'avais Ariel Henry, l'eau est blanc, insiste sur élection et renouvellement politique en deux pays. Donc, son signal l'a voué par le monde entier.
que crise ça gagne Haïti a et bien yo vil résoudre. Et comme ça. On bon garanti pas inquiéto. Dans les prochains jours pas attendre conseil électoral monter. Donc même si élection pas prétend faire avant élection américaine non, mais yo vle. Et c'est ça yo toujours vle avec Ariel Henry pour que gon mise en place qui fait. Si Ariel mettait conseil électoral provisoire, il pas tomber. Si le met conseil là, te bay l'impression que li vle faire élection d'ailleurs. Pour y bagay pour faire pour montrer que vous voulez finir avec transition. Pour y bagay pour faire pour montrer que véritablement vous voulez faire élection sur conseil électoral pour mettre campé. Et bien Ariel Henry pas de fait. Et bien madame nan li même li met accent sur élection. Donc je suppose une réunion séparée que le gain avec Nikoni ni Edgar Leblanc. Il clairement dit, il faut lancer le processus électoral. Ça son deuxième malheur. Au moins après ça, non mais la campagne va faire là pour dire qu'il y a un début de stabilité en Haïti. Il y a un processus électoral en cours. Ça seulement besoin de dire. Tout le monde est descendu ça au Guéla. Les gens pour ouais, notamment avec les élections américaines. Ok? Donc, mesdames et messieurs, pas une jouette, c'est politique qu'a fait. Ok? Dans les jours à venir, ou attendez, yo gen ça nan men yo. Dans l'élection, tchou pap capable attaquer yo. J'en ai ta ka attaquer yo. Sous crise Haïti, les acteurs mesure fait deux bagages. Dans ces processus là, et puis, il faut déjà qu'il y ait des opérations musclées qui fait pour mettre les bandits hors d'état de nuire. Ces messages ça, ils viennent porter par Nikoni. Ces messages ça viennent porter par conseil présidentiel. Mesdames et messieurs, nous mettons au mot. Il y a deux messages essentiels. Sécurité, élection. Gaïko n'y doit pas dire ça. Le blanc ne doit pas dire ça. Mais il y a des contextes. Voyage la fête là. Il fait un contexte électoral aux États-Unis. Pourquoi ça n'a pas fait avant? Il fait un moment parce qu'il faut, au niveau de la diplomatie internationale, dans le cadre de la géopolitique, il faut que vous déplacez plus rien. Tout côté américain impliqué et qu'il y a une crise là-dedans. Faut que vous montez bonne foi, faut que vous tentez résoudre, avant l'élection arrivée. Pas oublier que, États-Unis, mesdames et messieurs, élection américaine, non, eh bien, Haïti, un rôle que le joue là-dedans, un rôle essentiel. Mais, parlant de sécurité, et madame Thomas Greenfield de féliciter GFOR, multinationale qui fait pour capable permettre que. Mission déployée en Haïti. Dans un premier temps, 200. Dans un deuxième temps, 200, ça fait 400. Et il dit la tante Kounia pour CARICOM, parce que pas oublier que les pays africains qui participent, mais l'ensemble de pays de la CARICOM, qui ont même doué, justement, déployer troupes en Haïti. On a parlé de Barbade, on a parlé de Bahamas, on a parlé de Jamaïque. Et en Jamaïque, tout qu'on ait gagné, il y a une équipe là qui est 3 mois, il y a une formation, et équipe ça qui pour arriver à Haïti incessamment. Pourquoi vous dites ça hier ici? Et il dit, madame Nancy, il remercie Kenya pour le leadership que lui-même lui assumé dans cette mission ça. Et l'albino pour le dit, n'était-ce pas Kenya? Eh bien, nous mettons à côté nous là, je vous dis, de William Ruto. Dans le cadre de la géopolitique, nous avons bénéficié d'un crédit au niveau international. Pas un cadeau dans la bagaille. Et madame là, Delphine dit ça, elle a annoncé support à la police. Elle croit que faut mission lui-même, non seulement pour l'aider, mater gang, créer stabilité et sécurité dans le pays, mais elle souhaite tout pour que de permettre que la police lui-même prenne charge et pays. Chers auditeurs, chers internautes, mais on va remarquer,
ça est visible. Moi quoi bon monde qui dit là bas là. Madame pas j'aime parler de la mère même. Madame Thomas Greenfield, Linda Thomas Greenfield pas j'aime parler de la mère. Tout processus de sécurité, dans toute mise en place qu'a fait là pour capable river libérer pays de gang yo, eh bien les États-Unis, en tout cas madame ça venir là, il pas j'aime évoquer une certaine participation de l'armée. Voilà, ça. Ça a fait ton hôtel. C'est important parce que les États-Unis pas jamais voulu Haïti faire la mer. Et c'est Jovenel qui goumé qui fait la mer. Il me dit fait la mer, monsieur mettez base là. Naturellement, il me dit fait la mer. Et la constitution pas jamais changé. Donc l'armée pas jamais crasé. Parce qu'il n'y a personne qui doit accepter craser la mer, accepter démobiliser la mer. Mais automatiquement la constitution, d'ailleurs, c'est une raison qui fait Jovenel K, remobiliser. Donc Jovenel n'a pas fait l'armée, Jovenel Moïse a remobilisé l'armée. Eh bien, l'armée, il y a une question pour l'Américain, il n'y a pas la donne dans la bataille. Par contre, il y a des connus à parler, il y a des connus à parler de l'armée. Madame a dit pour une solution durable dans le pays d'Haïti. Ils ont demandé pacte international pour continuer à faire GFO, capable de financer la force de la Capantria. Ils ont demandé pour avoir plus de moyens. Pour faire plus et pour avoir plus. C'est ça qu'ils disent. Il faut que tu fasses plus, il faut que tu aies plus. Pour capable permettre que la mission privée accomplie la mission. C'est les auditeurs, chers internautes. Donc, le message est clair pour Madame Thomas Greenfield aux autorités haïtiennes. Il faut des élections. Il faut la sécurité et il faut des élections. Ces messages ça devait nous directement, bah, monsieur. Pablo, sur NZ509, ou fait bon choix, ou même haïtien, avec tout partout qui branché émission ça. Nous saluons haïtien qui est en République Dominicaine, haïtien dans le pays Chili, dans le pays Équateur, Colombie, Brésil, haïtien dans le pays l'Argentine, haïtien qui est dans le pays la Turquie, en France, haïtien qui dans le pays Mexique, États-Unis, Canada. Nous saluons tout haïtien qui est en Guyane française. Pas oublier sur mes émissions ça, like, abonner, commenter et puis partager dans tout groupe, dans tout réseau.